vous souhaite bon voyage et bon retour. Merci beaucoup. Oui, allez-y, monsieur le professeur. Bismillah ar-Rahim. Alhamdulillah, al-muttasif bil-azama wa jalal, mutafarrid bil-wahdaniyyah wa kamal, rafi' al-darajat shadid al-nihaya. Wa usalli wa usallimu ala nabi al-akhlaq wa khidmat al-ashwaq wa hafiz al-mitaq, man atmama Allah bihi al-risalata wa khatama bihi makan al-akhlaq. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est toujours un challenge de prendre la parole après des personnes qui entendent des tos, une personne forte de ce qu'elle sait et une autre très forte de ce qu'elle est, de par sa, son expérience. Mais devant ces calibres-là, je ne me sens pas plus qu'un amateur qui aime et qu'un dilettante qui se délecte. Et donc, j'espère que ma passion puisse compenser en matière d'éthos. Alors, mon intervention va parler sur un sujet que j'intitule « Moins d'épistémologie et plus de phronésiologie ». Et là, j'appelle à un réétalonnage de la boussole en matière de sciences de gestion que nous représentons ici. Alors, c'est un lieu commun de commencer par faire un constat. Hein. Le constat que nous partageons presque tous, c'est le désenchantement, la désillusion que nous avons vis-à-vis de nos organisations, de nos institutions, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur nature, les universités en premier, parce que nous sommes dedans, le système de justice, les entreprises, le gouvernement, partout où l'on va, on n'est pas satisfait de la prestation, que ce soit sur le plan output ou sur le plan contenu éthique de la chose, nous avons une crise de confiance partout. Et on se demande pourquoi on a cette crise de confiance, parce que paradoxalement, c'est le moment de l'histoire où nous avons cumulé le maximum, peut-être le sommet, de compétences techniques, d'intelligence, de savoir et de condition. Nous possédons actuellement des gisements et des ressources inimaginables en termes de computation et de pouvoir computationnel. Mais tout cela ne contribue pas à créer chez nous ce bien-être collectif, cette confiance, cet enchantement justement vis-à-vis des composants de notre système. Alors, pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'intelligence qui le manque, ce n'est pas la compétence justement qui le manque, ce n'est pas le savoir-être, le savoir-faire technique qui le manque, c'est autre chose qui le manque. Et là, Jean-Baptiste Avico, le grand philosophe historien, j'en passe, il a bien vu les trois super-héros de notre temps. Et ces trois super-héros existent partout dans notre univers. Il y a tout d'abord le stupid, le fool, who lacks knowledge of either the general or the particular, and so constantly pays for his rashness. C'est la personne stupide, qui n'a pas de savoir, qui n'a pas de théorie de l'action, et qui n'a pas de capacité de contextualisation. Et puis nous avons l'autre niveau, qui est un peu plus évolué, c'est the astute ignoramus, c'est-à-dire que l'ignorant astucieux. Celui-là, who know how to succeed in worldly affairs, but they are ignorant of the most important thing, by constantly preferring utility over what is wise. C'est une personne qui agit au nom d'une rationalité analytique, une rationalité instrumentale, qui sacrifie les valeurs sur l'autel du résultat. Et du coup, il rate l'essentiel. Parfois, il réussit, mais il rate l'essentiel. On dit souvent qu'un homme intelligent passe son temps à résoudre brillamment des problèmes qu'un homme sage n'aurait jamais rencontrés. Un homme intelligent passe son temps à résoudre brillamment des problèmes qu'un homme sage n'aurait jamais rencontrés. Et c'est ça le problème de ce astute ignorance. Et puis, nous avons the imprudent savant, le savant imprudent, who approach ethics
as it were a manual of proposition to be memorized. Là, c'est une personne qui adosse son action sur un manuel de procédure qui appréhende l'éthique comme si c'était une loi qui doit être appliquée en allant du général vers le particulier. Mais la nature n'a pas de compte à rendre à la raison. Les situations particulières ne peuvent pas s'offrir naturellement et facilement aux normes et à tout le fondamentalisme offert par la norme, parce que la norme s'intéresse aux cas généraux. La norme ne peut jamais traiter au cas par cas. Alors, la résultante, c'est que nos institutions d'éducation contribuent de plus en plus à former ce genre de profil, à former des gens qui sont socialisés et conditionnés pour appliquer des lois générales sur des cas particuliers, y compris le référentiel moral. Et donc on se dit, tout le monde sait qu'il ne faut pas mentir, tout le monde sait qu'il ne faut pas tricher, tout le monde sait qu'il ne faut pas faire ceci, cela. Nous avons un code de conduite avec beaucoup de choses prohibées, beaucoup de choses à faire. Nous avons tous, quelque part, une théorie fondamentale qui conduit l'éthique. Mais cette théorie n'est pas appliquée aux situations, aux cas d'espèce que nous vivons. Et du coup, notre société, nous pouvons la qualifier comme étant une société sophiaphobique, par opposition à une société sophiatrophique. Sophia veut dire, comme disaient bien les Grecs, c'est l'aigle, c'est la sagesse. Et donc, sophiatrophique, l'homo sapiens, c'est aussi un homo demens. C'est-à-dire, il y a une partie stupide. Et la contribution, si j'ose la quantifier, nous avons le GDP, que nous connaissons, Gross Domestic Product, le produit national brut. Nous avons la psychologie positive, elle nous parle du bonheur national brut, Gross Happiness Product. Et nous avons une autre grandeur qui est absente dans nos analyses. Cette grandeur est The Brute's Wisdom Product. C'est la sagesse nationale brute. Et The Gross Wisdom Product, c'est le rapport sagesse-stupidité. Autrement dit, si je prends la population d'un pays et je divise le nombre de personnes sages par rapport au nombre de personnes stupides. Là, il n'y aura pas de tiers-monde parce que tout le monde sera au bas de la liste. Heureusement, les disparités mondiales vont disparaître. Ça ne change rien que vous soyez un pays riche, un pays développé, parce que tout le monde a sa part de cette stupidité. Et c'est ça le défi, parce que notre avenir est déterminé par la valeur de ce gross wisdom product. Et donc, c'est à ce défi-là que je me lance. Et je lance le projet de front éthologie. Là, on va associer notre voix à deux grands savants, Nunaka et Takeshi, qui se sont déjà posé la question, mais pourquoi la construction du savoir n'aboutit pas au développement de la sagesse? Et ils ont dit que déjà, soit que nous utilisons le savoir d'une manière non appropriée, soit que, from the onset, nous ratons la nature même, le bon savoir à acquérir. Parce que le grand absent de notre univers aujourd'hui, c'est celui que Aristote, ce grand Aristote, qualifiait de phronimos. Alors, c'est qui le phronimos? C'est l'homme qui dispose de la sagesse pratique. L'homme capable de délibération. Alors, pour Aristote, je vous mets dans le contexte. C'est Athènes qui était très fière de sa force maritime, qui avait des ambitions d'expansion, mais aussi qui était très menacée par l'armée terrestre puissante de Sparte. Et ils étaient tout le temps au gré de l'incertitude. Ils vivaient dans l'incertitude. Ils avaient besoin de délibération tout le temps. Et Périclès, pour Aristote, était
problème même de cette qualité de phronesis qu'on peut qualifier de sagesse pratique. Il faut dire que pour phronesis, nous n'avons pas d'équivalent. Hein. Il y a prudence, parce que c'est Cicéron qui l'a traduit, il a dit prudentia, et donc du coup, c'est prudence. Il y a sagacité, sagesse pratique, discernement moral, autant de synonymes qui ne traduisent pas tout à fait fidèlement le sens profond que voulait transmettre Aristote quand il a parlé de phronesis comme étant une sagesse pratique. Je vous donne un exemple. Supposons que vous avez une amie, et cette amie, c'est le soir de son mariage, et vous demande votre avis sur son apparence. Déjà, il n'est pas très gâté par la nature, et quand vous la regardez, vous voyez qu'il n'a pas été gâté du tout par son coiffeur. Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous allez lui dire la vérité? Que tu es moche. C'est rare. C'est au nom d'une vertu. Être honnête, dire la vérité. Non, ce n'est pas forcément le cas. Mais vous allez faire un arbitrage de la situation. Vous allez faire usage d'un discernement moral. Et c'est justement cette capacité de tenir compte de la situation pour choisir le bon critère, la bonne vertu, la bonne valeur morale à appliquer dans le cas d'espèce qu'on peut être un phronimos. C'est ça le phronimos. La sagacité, en arabe, peut-être une équivalence serait al-hasaf. Hasafa min al-nasabi wa hasifun min al-fi'l. Al-hasafa wa al-fi'l al-hakim. Le phronimos, c'est l'action sage. Cicéron nous dit, si mon ami m'a prêté une épée et qu'entre-temps il est devenu fou et demande de me la rendre, de lui rendre son épée, est-ce que je dois la lui rendre? Parce qu'il y a un principe moral, il faut rendre les choses. Mais bon, par rapport à cette situation, il va falloir délibérer. Et la délibération, c'est ce qui nous manque. Nous avons été éduqués pour suivre des règles, d'apprendre des règles, qu'elles soient morales ou scientifiques. Et c'est ça le piège qui a fait que nous sommes des produits d'épistémocratie. Et épistémocratie à outrance veut dire pour moi foulocratie. C'est un système qui nourrit la stupidité collective. Et on peut être très intelligent mais stupide au regard de la phronesis. Et regardez, d'ailleurs, regardez les désastres qui sont faits par des gens très intelligents autour de nous et qui sont tout simplement en manque cruel de sagesse et surtout de sagesse pratique. Et donc, du coup, l'épistémologie, quel est son problème? Dans les sciences de gestion, ils ont attrapé l'obsession un peu pathologique des sciences sociales. C'est de vouloir émuler à tout prix les sciences de la nature et de pouvoir avoir une assise théorique incontextuelle, abstraite, qui va du général au particulier et qui prévoit tout. Et donc, du coup, ça, c'est le dogme qui a dominé les sciences de la nature et que les sciences sociales ont voulu émuler à tout prix, tout en ignorant qu'ils sont déjà des sciences du contexte, qu'ils ne peuvent pas s'extraire du contexte de la réalité qu'ils prennent comme objet d'étude. Et du coup, l'épistémocratie, which takes every blink as a wink, c'est-à-dire que l'épistémocratie, elle veut toujours aller vers du général, vers le particulier, créer des lois abstraites aussi indépendantes. C'est l'idéal de Socrate, aussi lointaine, aussi indépendante de la réalité. Du coup, qu'est-ce que nous faisons? Nous créons des théories que les praticiens jugent. Ça, c'est un article emblématique, le Gossal. Bad for practice. Et là, dans cet article, vous allez trouver beaucoup de théories qui font la fierté de notre enseignement, théorie du coût de transaction, etc., qui sont tout simplement jugées comme des théories inutiles, voire nocives, quand on les applique à autre chose. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il va falloir comprendre que il va falloir utiliser le bon type de savoir en fonction de la situation. Quand vous demandez, alors là c'est Aristote dans Éthique à Nicomaque, qui est le référentiel de toute la tradition de l'éthique,
Il nous dit, quand on utilise un savoir d'une façon inadaptée, c'est comme si on attend d'un mathématicien des arguments persuasifs et mous, ou on attend d'un orateur des démonstrations profondes. C'est un mot de pertinence, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que le savoir épistémique, donc épistémologie, c'est le discours, c'est le discours de la méthode, c'est le discours qui porte sur la méthode. Mais le savoir épistémique, qui s'efforce à vouloir trouver des théories générales, le champ de la cognitique, le champ qui veut chercher des théories générales qui peuvent s'appliquer à tous les cas d'espèce, c'est juste un élément parmi toute une constellation. Il y a le techné poésis qui est l'art. Le techné, c'est l'art, qui porte sur le savoir-faire, sur la production. Alors le travail artistique n'est pas recherché en lui-même quand je dessine un tableau, c'est l'output, c'est le résultat qui compte, c'est la production. Et puis nous avons le phronesis qui est associé à pas mal de vertus. Premièrement, le kairos, c'est le temps opportun, le moment opportun. Une action n'est pas bonne ou mauvaise dans l'absolu. Inaction est bonne ou mauvaise par rapport à un temps bien particulier. Le praxis, une action, le phronesis est une connaissance habitée dans le contexte. Il n'est pas théorique et ne peut pas s'extraire de ce contexte. L'arte, c'est une vertu eudémonia, et ça c'est le plus important. Pour Aristote, l'objet de tout savoir, de tout travail, de toute entreprise de création de la connaissance, c'est le bien-être, c'est le good life, eudémonia. Ce qui est bien pour l'homme, d'ailleurs il le dit d'une manière très explicite, ce qui est bien pour l'homme. L'orexis, alors là, c'est un désir rationnel, l'orexis, parce que pour chaque action, il faut un moteur. L'orexis, c'est le désir. Alors pour Aristote, quelqu'un qui dispose du phronesis, il dispose du désir d'agir selon une règle éthique. Le prohérésis, c'est le choix délibéré. Il fait la délibération, le choix volontaire. Et asthésis, et là, nous sommes loin de la vision très abstraite de l'épistème. Reconnaître la sensation, reconnaître que les choses. It's embodied awareness. C'est la conscience incorporée. Les choses sont énactées dans le corps. Et maintenant, les recherches en neurosciences, avec la théorie d'inaction de Varela, nous en savons quelque chose. Et le telos. Le telos veut dire le sens. L'homme est fait de sang et de sens. Et donc, quelqu'un qui dispose du phronesis, il dispose de toutes ces qualités-là pour délibérer de ce qui est juste. La phronesis n'est pas une règle morale. Ce n'est pas de la rectitude de l'action. Non, c'est une délibération qui porte sur la nature de la règle morale à utiliser pour ce cas d'espèce. Est-ce qu'il faut utiliser le courage? Je vous ai parlé de cas de votre ami. Est-ce qu'il faut utiliser le courage? Est-ce qu'il faut utiliser la sincérité, l'honnêteté, l'empathie? Quelle vertu morale? Quelle règle morale s'applique à telle situation? C'est ça le dépassement du noir et blanc. La notion de included middle, la notion du tiers inclus, qui dépasse les dichotomies, c'est agir dans cette zone grise. Alors, Aristote avait bien un exemple pour nous aider à comprendre. C'est celui de la règle de l'espace. C'est une règle flexible que les maçons de l'île de l'espace utilisaient pour mesurer les contours des pierres, et elle était tellement flexible qu'elle empruntait la forme de la pierre. Et c'est ça, le phronimos, c'est quelqu'un qui sait bien s'approprier d'une manière corporelle la situation pour délibérer de ce qui est juste. Et non seulement il dispose of the will, it's not just possessing the skill, but it's combining the skill with the will. C'est la combinaison de la volonté morale et de la compétence morale pour délibérer de ce qui est juste dans telle situation. C'est ce qui nous manque.
C'est ce qui nous manque en tant que professeurs, délibérer entre vouloir être juste entre les étudiants et les aider à progresser, récompenser les meilleurs. C'est l'acte de délibération. Malheureusement, on n'a pas été éduqué pour délibérer. On a été éduqué pour suivre des normes. Alors que la vraie vie, c'est le savoir habité par la délibération. Alors, la recherche phonétique, je vais atterrir sur le dévoilement de mon agenda, qui n'est plus caché là. C'est de dire qu'il va falloir qu'on mette plus de phronésiologie et moins d'épistémologie. On a assez d'épistémologie. Hein. Notre monde est le fruit de notre pensée. Plus une recherche phronétique, c'est celle qui se consacre sur les valeurs. Pas cette question d'axiologie que nous mettons d'une manière quasi casuistique dans nos chartes de recherche. Et c'est une histoire de sauver le mot sur la chose. L'éthique, mais sans pour autant être dans l'appropriation de la chose. Est-ce que c'est bon et mauvais pour l'homme? Et du coup, cette recherche phronétique, c'est une recherche qui met l'essentiel au cœur de l'important. La pertinence au cœur de la rigueur. La pertinence, est-ce que c'est bien pour l'être humain? Et quand je parle pour l'homme, je ne parle pas de l'humain dans le globe, je parle de ma communauté de proximité. Et donc, placer le pouvoir au centre. Le pouvoir est pour les sciences sociales ce que l'énergie est pour la physique. Quand on analyse quelque chose sans s'intéresser au pouvoir de la création de la connaissance, et que la connaissance est un pouvoir, nous sommes déjà porteurs d'une apôtre. Se rapprocher de la réalité. Il ne faut pas se distancer. Oui, on a été éduqué pour dire qu'il va falloir neutraliser au maximum, sans interférence, mais il va falloir going native. Se rapprocher au maximum de la réalité, s'approprier cette réalité. Insister sur les petites choses. Regarder les pratiques avant les discours, comme disait dans Faust, in the beginning was the deeds. Au commencement était l'action. Il faut regarder l'action avant de s'intéresser à l'esprit discursif. Travailler sur les cas, dans leur contexte. Les cas, s'approprier les cas. Demander comment. Commentez-vous le récit. Faire un dialogue avec une polyphonie de voix. Pas de réification de résultats. Cette distanciation qui fait qu'il y a un clivage entre création du savoir et utilisation du savoir. Et faire de la méta-recherche. Ça veut dire quoi, méta-recherche? Quand je fais ma recherche, je prends du temps et du recul et je dis, est-ce que cette recherche a contribué à me donner plus de sagesse, moi? Si la réponse est non, c'est que vous avez raté la recherche. Ah, au sens de la phronésiologie, votre recherche peut être très valable au sens de l'épistémologie. Alors, un enseignement phronétique est un enseignement de l'immersion. Parce qu'un savoir phronétique s'acquiert par l'expérience conscientisée. La prudence s'acquiert par l'expérience conscientisée. Favoriser le discernement et la délibération. Favoriser l'intuition et l'enactement. Vos stages, les expériences-là, vous devez délibérer, doivent être multipliées. Récompenser l'action et non la production. Et là, c'est un détail très important. Récompenser l'action, c'est-à-dire le praxis, et non le poésis. Quand je dis à mon fils, ne triche pas, et il voit qu'il y a des gens qui trichent dans la Sainte Exale, et qui obtiennent de bonnes notes, il vient vers moi pour me dire, écoute, moi j'ai suivi tes recommandations de la lettre, ça n'a pas marché. Moi je dois lui dire, écoute, et quand je lui dis, écoute, si tu me dis la vérité, je ne te punis pas. Et donc, je suis en train de favoriser chez lui la sincérité, l'honnêteté, dire la vérité. Et quand il me dit la vérité, je ne le punis pas. Je suis en train d'installer un système qui favorise le poésis au détriment du praxis. Ce qui est une erreur. L'acte juste et éthique doit être poursuivi pour lui-même, pas pour le résultat espéré derrière. Pour lui-même, c'est du praxis.
L'acte de courage est fait for the sake of courage. L'acte d'honnêteté est fait for the sake of honesty. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, ce n'est pas en attendant des résultats derrière. Il ne faut pas confondre poésis et praxis. Et notre société actuelle, elle est en train de faire l'erreur de favoriser le poésis. On regarde le résultat. Alors que parfois, un acte sage, il va falloir des siècles peut-être pour comprendre, pour pouvoir voir the big picture et dire que ça, c'était l'acte sage. Et puis, intégrer le rationnel, et je ne dis pas l'irrationnel, parce qu'il n'y a pas d'irrationnel. Il y a aussi du irrationnel, des choses autres que rationnelles. Et dire que le rationalisme est une façon parmi d'autres d'accéder à la connaissance. Et donc, encourager le rationnel et le irrationnel. Et quand je dis irrationnel, je dis particulièrement la spiritualité. La spiritualité commence quand la rationalité se termine. Et puis le modeler, là où je parle au père, peers, et au père, fathers. Je parle au père et au père, c'est que les éthiques se transmettent par modeler, par l'action éthique qui se fait modeler, pas par la tête. Et donc du coup, nous sommes très interpellés sur ce volet. Alors, j'aimerais bien atterrir sur une note un peu plus spirituelle. Parce que quoi de spirituel, quoi autre que le spirituel peut assouvir cette insatiable recherche de télos que nous partageons, nous les humains. Dans notre confession musulmane, nous avons une chose qui ne peut pas être capturée dans la conceptualisation, c'est ce qu'on appelle al-haqq wal-baṭil. C'est cette dichotomie entre le vrai, vrai, et le faux, le fake, le faux. Al-haqq wal-baṭil. أنزل من السماء ماء فسالة أودية بقدرها فاحتمل الزيت زبدا غرما ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيذهب جفاء كذلك يقول الله عز وجل Dieu a fait tomber de l'eau du ciel et les vallées l'ont reçu selon chacune selon sa capacité et le torrent il a charrié avec lui des débris qui ont créé de l'écume. L'écume va dans les volumes. Et c'est l'eau qui va rester dans la terre pour le bien des humains. Nous voulons que notre action s'inscrit justement dans cette logique, dans cette parabole divinement bien-être, parce qu'il est divin, justement, dans cette parabole où on nous dit qu'il faut inscrire nos agissements dans le haqq. Moi-même, à la haqq, il le valait. Merci à vous de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le professeur Sédoumar Elouani. Je vous remercie de l'aspect du temps qui vous a été imparti. Vous nous avez même gratifié de quelques minutes, minutes que nous allons bien sûr réinvestir dans le débat. Je crois que la tâche de madame le professeur Niamna ne serait pas facile, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons deux conférences, l'une axée beaucoup plus pratique, l'autre axée phronétique, avec au passage l'expérience probante d'un entrepreneur qui a aussi éclairé la lanterne des uns et des autres. Je vous remercie, monsieur Stéphane Alouani. Je crois deux choses d'une, ou bien vous êtes un gestionnaire qui a atterri sur le terrain de la philosophie, ou bien un philosophe qui a atterri sur le terrain de la gestion. Donc, ou bien les deux, voilà, les deux, c'est-à-dire un terrain commun partagé entre les deux, puisque, comme vous l'avez dit, Sophia, c'est la philosophie, donc impérativement, ça nous interpelle tous, et toute production de savoir doit impérativement rester dans cette logique. Alors, bien entendu, la question posée dans le titre devient, en fait, la réflexion proposé dans le titre devient peut-être plus clair, puisque vous l'avez dit vous-même, vous n'avez pas décidé sur les mots, vous l'avez dit, arrêtons maintenant de faire de l'épistémologie, n'est-ce pas, si j'ai bonne mémoire, puisque l'épistémologie maintenant, nous avons suffisamment produit de connaissances, il faut maintenant peut-être plus investir dans la
phronésiologie, et bien justement pour rester dans cette logique très intéressante que vous avez défendue tout au long de votre exposé que vous avez fait de façon brillante. Moi, j'estime que ce genre de rencontre nous permet de découvrir nos collègues dans l'action, parce que quelquefois, on les découvre sous forme de demande, en tant que directeur, sous forme de documents à signer, mais là, c'était pour moi une belle occasion de les découvrir sur le feu de l'action et en faisant des exposés de façon très brillante. Je remercie aussi Madame le professeur Benyamna qui aura la tâche lourde et très très délicate de faire le rapport de cette matinée. Moi, je ne voudrais certainement pas changer ma position avec la sienne. Non, pourquoi? Parce que le travail de rapporteur est toujours délicat. Donc on va quand même garder maximum dizaine de minutes pour le débat. On prend le premier débat, c'est un professeur jeune et dynamique qui nous vient de l'ICG de Kenitra, c'est Mouchi. C'est Mouchi. Je remercie Antoine, l'équipe organisatrice du colloque Management et Éthique, surtout pour la qualité des intervenants de la conférence plénière, des intervenants de tout domaine. On a vu le domaine académique, professionnel, et un chevauchement un petit peu entre les deux avec le professeur Alouaki. Alors, je ne prendrai pas beaucoup de temps pour expliquer mon feedback par rapport aux définitions données de l'éthique, surtout concernant la définition donnée par le professeur Dubard concernant la morale à laquelle j'appelle et concernant le principe donné par le docteur Boutreau. Maintenant, la question vite fait était par rapport est-ce que vous ne voyez pas du moment que vous avez parlé de religion, de spiritualité, est-ce que vous ne voyez pas que la pratique de certaines religions, musulmanes notamment, favorise ou motive effectivement la réalisation de ces principes éthiques et moraux, positifs, bien évidemment, dans tous les domaines de la vie, management y compris. Et là, je fais allusion peut-être au sens de ticket management proposé par Philippe Diribarn dans l'étude ethnométhodologique qu'il a effectuée dans l'usine de Thompson. Et merci. Et ensuite, si de. Tout à l'heure, j'ai levé la main le premier. Bon, moi, je, d'abord, je vous remercie grandement, chers amis, chers camarades, chers collègues, de cette intervention riche et instructive. C'est ce qui, dans le cadre plutôt philosophique, traite un aspect particulier, singulier en sens de gestion. Là, vous avez plutôt pris positionnement peut-être de la sagesse, mais dans un monde vraiment hyper compétitif, où il y a de la concurrence, chacun cherche à prendre le marché de l'autre, donc on s'éloigne plutôt la version d'Aristote, disons ça va aller en termes de sagesse plutôt dans la cité de Platon, platonicien si on peut dire. D'accord, Medina Fadina, la cité de Platon. Donc, si on est dans la cité platonicienne, on pourrait toujours finalement admettre la réflexion de notre camarade, notre collègue, si c'est un homme. Sur ce point-là, vraiment, relativiser les choses et parler concrètement dans un monde où il y a la concurrence, où chacun veut faire cavalier pour prendre le marché de l'autre, je pense que être éthique, être sage, de valeur, ça pourrait finalement contraindre voilà, cette marche vite pour être à la tête de bleu temps. Donc vraiment, je vois plus ou moins une certaine contradiction, mais je verrai, d'accord. Donc on essaye de faire voilà, ce qu'on peut, dans le sens de M. Dubard, notre professeur Dubard, à savoir essayer finalement d'être plutôt honorable, mais en même temps essayer de se comporter, de se conformer à cette norme. Donc transgresser la norme, ça pourrait être utile dans le cadre de la tension sur laquelle il a parlé Dubard. Donc on est dans un champ paradoxal qui pourrait finalement embrouiller les cartes en tant que chercheur en centre de gestion. Là vraiment c'est sur le point de la stupidité, il faut contextualiser M. Cévalone. La stupidité, parfois, elle est encouragée. L'intelligence, elle est découragée
Si je prends par exemple les travaux de Spesser et de Adesson. Donc parfois, il faut être subtil pour être efficace, pour être performant. D'accord. Donc j'aimerais bien avoir votre réaction sur ces deux points-là. Merci beaucoup. Monsieur le Tarzotti, merci beaucoup. La parole est à monsieur le professeur Daout. Et ensuite, il y a une qui se lève de l'autre côté. Donc merci, monsieur le président. C'est toujours un grand plaisir d'écouter mon collègue, c'est pas Rémi. Il a toujours une réflexion très, très profonde. Je viens de découvrir ce terme de phronisiologie. C'est le fait de s'approprier l'association dans son contexte pour agir à un discernement moral. Et je crois que vous vous situez beaucoup plus dans le côté comportement. Donc là, pour rebondir un petit peu sur l'intervention du professeur Dima, beaucoup plus sur le comportement que l'éthique se situe entre les deux. Donc on vient, parce qu'il y a la norme, il y a le comportement. Là, si j'ai bien compris, dès qu'on parle de discernement moral, c'est par rapport à la personne. Donc là, on oublie un petit peu ces contradictions objectives qui font partie du fonctionnement d'une organisation. Là, j'essaie un petit peu de ramener l'intervention dans le contexte purement professionnel. La situation est tellement complexe que le manager, parfois, il doit reconnaître sa part d'ignorance, parce que chaque situation est limite. Et c'est pour cela qu'il faut probablement mobiliser beaucoup plus les intelligences multiples que de faire part uniquement à ce discernement moral à travers un certain nombre de valeurs. Donc là, la situation est tellement complexe, à mon avis, qu'il faut parfois, donc là, c'est ça, donc, c'est concilier ça. Essayer de gérer sa tension entre les deux, le comportement et la norme. Et je pense que, voilà, je suppose que la question est claire. Je vois que votre intervention se focalise beaucoup sur le comportement, il oublie un petit peu sa tension, les paradoxes, les contradictions objectives au sein de l'entreprise. Et je pense que si on travaille de la sorte, avec ce concept de phronisiologie et avec ce qu'on est en train de vivre dans des organisations, on va souffrir énormément. Merci. Bien, c'est à vous, madame Chary. C'est une dernière intervention. Je suis vraiment désolé vu le temps qui nous est imparti. On ne peut pas en prendre plus. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour la qualité de votre présentation. Donc ma question est à M. Saifullah Al-Rimani. Donc comme étant doctorante, je me pose la question comment puis-je intégrer le raisonnement phronétique dans un travail doctoral qui à la base est fait pour la création de la connaissance. Voilà, merci. Très bien, merci pour toutes les personnes qui ont interpellé le dernier conférencier. La parole est à vous, monsieur. Je crois que j'ai demandé le remboursement des minutes. Oui, bien sûr, pas des minutes. Alors, merci, je suis très enchanté de l'intérêt que mon intervention a suscité auprès de mes collègues particulièrement et des jeunes dans l'esprit, dont la vivacité est très interpellante. Je commence par cette question de spiritualité. La spiritualité, comme j'ai dit, elle commence quand la rationalité se termine. Et donc, elle nous donne du sens. Et toutes les prescriptions, par exemple, de l'islam, je parle d'islam que je connais assez bien, donc toutes les prescriptions, elles sont là pour nous donner du sens et pour créer chez nous cette auto-censure par rapport à quelque chose. Elles nous donnent une règle. Mais vous savez, alors quand on suit dans le Coran, par exemple, il l'a dit, maintenant, il ne nous donne pas quelle est la nature de cette lettre hier. Fima waqti ukhra naji jahid al kuffar wal munafiqin wa ghdub alayhim. Fima waqti ukhra naji khud bil afw wa amur bil urf wa a'rid 'an al jahil. Fima waqti, c'est-à-dire qu'il va falloir, nous avons toute une panoplie pour arriver bil lettre hier. Bil lettre hier, pas dans l'absolu. L'absolu est donné par Allah, wa taqullah. C'est ça l'absolu.
Mais l'atiyah hassan dans cet instant, quand vous êtes en guerre, l'atiyah hassan c'est être pur et intransigeant. Quand vous êtes dans une situation de persuasion, l'atiyah hassan c'est l'écoute et l'empathie et l'acceptation de l'autre. Et donc, vous voyez, donc, et cette contextuation, personne ne peut la faire à leur place. C'est à l'homme. C'est à l'homme de la faire. Et donc, du coup, la spiritualité ne peut pas nous dédouaner de notre responsabilité vis-à-vis de l'acte de délivrance. Alors, et moi, je suis très interpellé parce que vous touchez à un sujet qui me hante depuis des années maintenant. Alors, par rapport à cette vision un peu platonicienne que j'ai véhiculée, disons que Socrate, que Aristote s'inscrit en contre-pied, total contre-plat. It's more nuts and bolts, comme on dit. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus pratique, il n'est pas platonique dans la théorisation, la recherche de la vérité idéale, ésotérique, etc. Il était beaucoup plus dans l'empirisme et dans le raisonnement économique. C'est-à-dire ici et même. Et donc, du coup, Aristote, il s'inscrit en faux par rapport au Platon. Alors, dans la phronésis, il y a la première chose qu'il faut faire, c'est le bon recadrage de la situation. The good framing. Le bon recadrage de la situation. Une organisation, si j'utilise la représentation un peu théâtrale, une organisation, la représentation métaphorique, les images de l'organisation, à socio-christian, c'est-à-dire un endroit où il y a des relations humaines, donc c'est de la sociologie. C'est politique christian, c'est un endroit de tension entre les intérêts. Martial christian, c'est un endroit de guerre, à tout tirer. Et c'est un virtue christian, c'est-à-dire c'est un endroit où s'exercent l'éthique et les choix moraux et éthiques. Et donc, une situation qui se pose pour vous, personne ne peut vous donner avec une ligne de conduite et vous dire, écoutez, cette la situation, il faut l'analyser selon une perspective technique, une expertise stratégique, une perspective politique. Non, c'est à vous de faire le good framing. Le bon framing dépend de vous. Et c'est justement ce que Armstrong appelle l'acuité ontologique. C'est-à-dire la capacité de mettre le bon cadre, qui va faire de vous le bon délibérateur. Parce que les erreurs de framing, les erreurs de cadrage, conduisent aux erreurs de jugement par la suite. Et donc, nous sommes dans le complexistan, c'est ma façon de dire que nous sommes dans un monde complexe, et une réalité complexe existe simultanément dans des niveaux logiques qui ne font pas l'objet de la même cohérence. Je rappelle ici, André Comte-Sponville et son principe de niveau d'ordre. Alors, maintenant, ne pas la stupidité. Quand je parle stupidité, c'est le manque de sagesse, pas le manque de connaissance. Alors, par rapport au manque de connaissance, il n'y a pas mieux qu'Edgar Morin pour me défendre quand il parle de « the ethic of understanding », l'éthique de l'entendement. Quand nous comprenons, il va falloir rester humble vis-à-vis du fait qu'on ne comprend rien. Et vis-à-vis du fait que le savoir et le non-savoir se potentialisent justement pour faire de nous le praticien sachant capable de délivrer. C'est en acceptant qu'on ne sait pas. C'est dans l'acte de tenir compte de cette incertitude et de cette impuissance face à la réalité que nous développons cette acuité ontologique. Et du coup, accepter, embrasser le non-savoir fait partie intégrante des qualités du phronimos. Et donc, quand je parle stupidité, je veux dire tout simplement pas manque d'intelligence, mais manque de sagesse, manque de capacité de discernement. Je vous dis un exemple. Un Einstein intelligent va construire la bombe atomique. Un Einstein sage va refuser de faire. Et il y a entre la sagesse et l'intelligence, il n'y a qu'un cheveu parfois pour pouvoir discerner. Un grand théoricien, Stenberg, il veut dire, à la conclusion de son ouvrage, comprendre la sagesse requiert beaucoup plus de sagesse que nous possédons déjà. Et donc, pour dire que c'est une entreprise qui nous met à l'épreuve, je reviens à cette question d'éthique et de agir dans les tensions, agir dans les paradoxes et agir vis-à-vis des réalités objectives
insurmontable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer. Alors, justement, l'acte de phronesis, quand je parle comportement, ce n'est pas un acte orienté passé. C'est un acte qui habite le présent d'une manière systématique et d'une manière incorporée. Là, je vous renvoie, pardon, je vous renvoie aux travaux de Dreyfus et Dreyfus, qui ont travaillé sur la question de création de l'expertise, le développement de l'expertise. Et ils ont modélisé un modèle très très pertinent d'ailleurs, qui a fait beaucoup de bruit à l'échelle académique, qui a fait que les experts, quand ils ont dit que les experts, quand ils développent une réelle relation avec la réalité objective, ils intériorisent d'une manière qui ne peut pas être modélisée par aucun algorithme théorique cette réalité objective. Et ils agissent. Donc le phronimos, c'est cette incorporation dans les tripes. It's a gut feeling. C'est-à-dire, c'est quelque chose que nous ressentons dans les tripes face à une réalité objective que tout le monde subit. Mais les phronimos, ou les phronimois, si j'utilise la bonne formule, sont capables de mettre le bon cadre. Et laissez-moi peut-être, Mouna Sabatoucha, qui m'a dit le Foukara, je vais revenir sur les qualités des. Les traits d'un phronimo. Les traits du phronimo, et là je me base sur Bert Schwartz, qui a écrit un livre croustillant, Practical Wisdom, The Right Way to Do the Right Thing. Et une personne phronimo, elle connaît la finalité de l'activité là où elle est engagée. Elle sait comment improviser. It's a moral jazz. C'est du jazz moral. L'armée, la chose que je dis toujours à mes étudiants, c'est oui, mais c'est oui. C'est du jazz moral. Elle sait comment improviser, adapter les règles à la situation. Elle est sensible et sait comment lire un contexte social. Elle sait adapter le point de vue des autres, être dans les souliers des autres. Elle sait se servir de ses émotions. Une personne, phronimos, c'est une personne qui est alliée de ses émotions. Non seulement elle sait qu'est-ce qui est juste à faire, mais elle sent le désir de le faire. Et c'est ça ce qui est passionnant dans la chose. Et c'est une personne, et ça c'est une chose qu'on ne peut pas contourner, c'est une personne expérimentée. La halima, la hakima illa tajribati, wa la halima illa du'ati. Hadith Nabawi. La hakima illa tajribati, wa la halima illa du'ati. Il faut expérimenter, énacter l'erreur pour en faire un facteur d'apprentissage. Beaucoup vous écouter, c'est un réel plaisir, monsieur le professeur, mais le temps nous bouscule tous. Enfin, je voudrais juste, à la fin de cette séance inaugurale du colloque international, me permettre de vous remettre le trophée du colloque, au nom du colloque des organisateurs et aussi au nom de l'École nationale de commerce et de gestion, dont vous êtes parti et vous faites partie et on est vraiment fiers.